Nous sommes mardi 2 février. Il est presque 6h, il est 5h42. Ouais, il est 5h42. Et ce matin, je suis pas en forme, j'ai mal au bas de la tête. Mais un truc de dingue, et je sais pas, je suis pas en forme vraiment. Donc on verra bien comment ça se passe. Enfin voilà, un peu plus tard dans la matinée là. Je commence à 9h aujourd'hui. Mais là ouais c'est pas. Je sais pas. Ça va pas, enfin, je suis pas trop en forme. Voilà, là j'ai préparé mon petit déjeuner du coup. Hop, il est là. Il est là, il est là. Il n'y a pas de banane aujourd'hui parce que j'en ai plus. Du coup, pour mon pouvoir, je me suis pas changée parce que j'ai pas fait ma séance de sport du coup, parce que je suis pas. Voilà, je suis pas en forme. Donc. Je me suis dit, bah tant pis, n'a fait pas, c'est pas grave, non, voilà, donc. Tout simplement. Mais, je sais pas, c'est pas. Même déjeuner, là, ça me dit rien, mais il faut que je déjeune parce que, tant que j'y vais à pied et que c'est quand même un peu loin, il y a la neige et tout, ça me fait froid, donc je sais, enfin, faut que je mange, quoi. Sinon, je tiendrai jamais. Mais, ça me dit pas grand-chose, en fait, là, même de déjeuner, ça me dit pas grand-chose, donc. Écoutez, on verra bien. Je vais voir. Je vais vous laisser là et puis voilà, je vais déjeuner un peu tranquille et puis ça ira bien. Voilà. Puis j'ai la vidéo aussi à mettre sur YouTube pour ce soir. Bon allez, à toutes. J'espère que vous allez bien, il est 17h46. Voilà, je suis en chemin pour rentrer à la maison du coup, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, c'était chaud, je suis épuisée. J'étais chez les bébés cet après-midi, alors ce matin j'étais chez les grands. Donc ça s'est super bien passé, tout ça avec les grands. On a fait une activité musique, relaxation. Donc on a fait un blend test, voilà. Et on a fait un peu de relaxation, tout ça, donc c'était vraiment chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé cette activité-là. Et l'après-midi, j'étais chez les 02, donc j'ai mangé aussi avec les enfants, c'est pour ça que je vous ai pas pris du coup, non plus. Et avec les 02, j'ai quasiment géré tout, toute seule. Je vous explique, alors il y avait 8 enfants cet après-midi, bon, après voilà, il y avait la sieste, hein, donc il y en a qui dormaient, mais pas tout le monde là aujourd'hui. Et du coup... En fait, nous avons eu un... Donc, excusez-moi, ça a dû couper. Du coup, cet après-midi, j'ai géré tout ça parce que ma collègue a dû garder pendant 1 heure un enfant à l'écart parce qu'il était malade. Voilà, donc en attendant que les parents viennent me chercher, on a attendu 1 heure que les parents viennent arriver de me chercher. Donc, pendant 1 heure, bah, je me suis occupée toute seule des 8 bébés. C'était chaud, ça a été, hein, c'est bien passé tout ça, mais c'est fatigant. Donc voilà, c'était fatigant, je suis fatiguée déjà que moralement c'est pas trop, enfin mentalement c'est pas trop ça là. Voilà, en fait, voyez-vous, en venant ici, je savais que j'allais affronter mes limites. Concernant la sociabilisation avec les autres, voilà, je le savais très bien. Hein. Après, voilà, je ne regrette pas du tout. Hein. Au contraire, j'adore être ici, tout ça, puis ça me repose aussi quand même un peu la montagne, ça fait un bien fou. Mais c'est vrai que, eh ben, étant donné que je suis toute la journée avec mes collègues, que bah, je suis obligée de leur parler, que je vois les parents, des enfants, tout ça. Trop de sociabilisation en ce moment. Là, je sature un peu de voir des gens. En fait, là, en ce moment, j'ai qu'une envie, c'est de rester toute seule. Voilà. Donc, là, en ce moment, c'est compliqué. Surtout que là, fin février, c'est vraiment la période la plus compliquée, du coup. Parce qu'il y a vraiment beaucoup,
beaucoup d'enfants, donc beaucoup de parents à pas discuter, à qui discuter. Beaucoup plus de jours de boulot. Bon, ça, après, je me plains pas. Après, voilà, j'adore bosser à temps plein, tout ça, j'adore, franchement. Mais voilà, le seul problème avec le boulot à temps plein, c'est la sociabilisation. Moi, enfin, là, je fatigue, en fait, mentalement. Voilà, physiquement, ça va, en vrai. Mais alors, mentalement, là, je suis vraiment fatiguée de voir trop de gens. Voilà. Voilà. Mais voilà, après, c'est ce que je voulais aussi, parce qu'en venant là, je savais très bien que j'allais affronter cette limite, hein, je le savais fortement. Et justement, c'est aussi un peu exprès parce que, bah, c'est vrai que, enfin, j'aimerais bien être un peu moins comme ça, quand même, parce que c'est vrai que c'est compliqué à gérer pour travailler à temps plein, en fait. Là, je vois, hein, c'est vraiment compliqué, je sature. Hein. Je sature, c'est... Voilà. Donc, bon, on verra bien hein, le reste du mois, tout ça. Puis, bon, je vais quand même, sur mes jours de repos, tout ça, je ferai en sorte quand même d'être seule le plus possible, clairement, parce que j'en ai besoin. Là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer, m'enfermer dans ma chambre et ne plus en sortir. Sauf que, ce soir, vous savez quoi? C'est la Chandeleur, ce soir. Donc, qui dit Chandeleur, dit crêpe. Et l'équipe fait une soirée crêpes. Il y aura toute l'équipe. Et le problème, c'est que bah, si j'y vais pas, je vais être la seule à pas y aller. Parce qu'il y aura vraiment tout le monde. Et bah, ça le fait pas trop, quoi. Ça le fait pas trop, clairement. Donc, je sais pas. Je sais pas, ça me... En vrai, ça m'embête du coup d'y aller. Mais ça m'embête aussi de pas y aller parce que, enfin voilà, il y aura tout le monde et je sais que déjà, voilà, on parle de moi, en gros en disant que je ne suis pas assez présente, qu'on me voit pas beaucoup, que je sors jamais, tout ça. Donc là, clairement, ça va renforcer ça. Hein. Bon, après, bon, en vrai, toi, enfin, voyez-vous, d'un côté, je m'en fous un peu, clairement. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Enfin, bah, écoutez. Hein. Je veux bien voir hein, ce soir. Et puis, bah, je vous tiendrai au courant hein, de toute façon hein, de ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que là, voilà. Voilà. Donc après. Après, voilà, ne vous étonnez pas hein, s'il y a des jours où je vous parle pas, enfin, voilà, où il n'y a pas trop de rush sur les délits ou quoi, parce que là en ce moment je sature un peu donc. Voilà, c'est normal, hein. Même, parce que vous voyez, demain, je suis en repos. Donc, je sais pas si je vais vous prendre beaucoup ou pas. Ça dépendra de comment je suis, de mon envie, tout ça, parce que, bah, voilà, il faut aussi que je pense à me reposer. Pas que je fasse non plus que de tourner. Enfin, là, voilà. Bon, après, voilà, je vous tournerai aussi quand même. Je vous tournerai aussi, hein, demain. Il y a, enfin, voilà. Jeudi, là, mon jour de repos, je vais filmer, mais peut-être que je vais pas filmer autant que ce que j'aurais fait habituellement quand je suis en repos, quoi. Je vais voir. Je verrai dans tous les cas, puis dans tous les cas, je pense que vous me comprenez largement. Voilà. Donc voilà. Ça fait beaucoup de voilà. Oh là 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 là. Enfin. Bon bah écoutez, moi là, je vais vous laisser. Je vais remonter tranquillement chez moi. Là, je suis bientôt arrivée. Enfin, je suis bientôt arrivée. J'ai encore un petit bout de chemin à faire, mais voilà, je vais vous laisser là. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure pour clôturer le vlog. Hey! Je vous reprends plus tôt que prévu. Parce qu'il faut que je vous raconte. En fait, là, je rentre chez moi. Donc, sur le chemin, en fait, tout le mercredi, il y a le marché. Donc, au marché, nous avons fromage et saucisson, vin rouge, tout ça. Chocolat chaud, etc. Et là, je suis passée devant. On m'a proposé des petits morceaux de fromage, gratuitement, voilà. Donc, j'ai mangé des petits morceaux de fromage. Et au stand d'après, on m'a proposé des morceaux de nougat. Voilà, qui étaient vraiment bons. Donc, je pense que mercredi prochain, enfin, si j'ai ma paye en tout cas, je viendrai faire un petit tour au marché pour aller prendre du saucisson. Ça vaut le coup.
doit faire mal à l'abdomen. Il vaut vraiment le coup là. Et puis les prix, c'est 10 euros les 5. Non. Non, c'est les. Attendez. Non, c'est 5 euros les 10. C'est ça. 5 euros les 10. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je pense que mercredi prochain, je vais me faire ça. Voilà. Puis ben voilà, un petit coup de fromage, tout ça, c'est tellement, tellement bon. Donc voilà, petite pause goûter, on va dire ça comme ça. Maintenant j'ai soif, parce que le nougat, ça donne soif. Mais franchement, il était très bon et très tendre. Vraiment, c'est... Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je rentre à la maison. J'ai encore une côte à grimper là. Et puis après... Après, je vais voir si je me force un peu pour aller à la soirée crêpes. Même si je reste pas longtemps du tout. Enfin, je verrai. Parce que je suis pas... voilà. Enfin bon, je vais bien voir. Écoutez, je suis pas sûre, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à toutes pour la clôture du vlog cette fois. Voilà. Hola, hola! Il est 19h19 et comme vous pouvez le constater, je ne vais pas à la soirée crêpes. Clairement, je n'y vais pas. Voilà, je suis épuisée, je n'en peux plus. Sociabiliser là ce soir? Non. Non, non, c'est pas possible. J'ai pété un câble. Je vais pas me forcer parce que je me dis si je fais une crise d'angoisse ou quoi là-bas. Non, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Donc on est mercredi, j'ai oublié de me laver les cheveux. Oui, donc si j'ai les cheveux sales, excusez-moi, mais j'ai oublié. En fait, je me suis préparée pour aller prendre ma douche. Tout ça, puis je me suis attachée les cheveux, c'est tout. Je me lave, je me savonne ça. Et quand au moment où je me rince, je suis là, mais il fallait que je me lave les cheveux aujourd'hui, on est mercredi. Puis du coup, comme demain je suis en congé, et ben je me suis dit, bah écoute, demain t'es en congé, du coup je vais me faire un masque sur les cheveux toute la journée. Voilà. C'est comme t'as. Ah bah non. Enfin, si, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, je sais plus c'est quand, c'était la semaine dernière, je crois. J'avais laissé mon masque sur les cheveux toute la journée, du matin jusqu'au soir. Et franchement, après, c'était super beau. Donc là, demain, je vais refaire ça, comme ça au moins. Voilà. Vu que je travaille pas, je me dis, c'est pas bien grave s'ils sont pas lavés, quoi. C'est pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc là, du coup, dans l'appart, je vais bientôt être toute seule parce que j'ai ma coloc qui va partir à soirée crêpe. Donc je suis très 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 contente moi, parce que là je vais toute seule, je vais être au calme, vraiment au calme. Et voilà, comme ça je ne vais pas me forcer à y aller parce que je sens que si j'y vais en fait je vais faire une crise d'angoisse ou quoi, donc non c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc voilà, je préfère rester là, je vais continuer ma lecture. Voilà, j'ai super bien avancé, hein. Bon, en même temps, je le connais tellement, je le connais, je connais l'histoire, tout ça, donc du coup ça se lit super vite, je suis à 161 pages, et encore, je prends mon temps pour le lire, je prends mon temps pour lire chaque ligne, tout ça, parce que c'est un livre, c'est une saga qui me prend aux tripes, vraiment, parce que je trouve beaucoup de ressemblances entre moi et un des personnages. Vraiment, je retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressemblances. Du coup, voilà. C'est pour ça. Du coup, ça me prend aux tripes, mais d'une façon phénoménale. Donc, voilà. C'est pour ça que je l'ai lu, relu et relu et re-relu les deux premiers tomes, parce que bah, c'est beau et c'est... Ça prend aux tripes, tout ça. C'est vraiment un gros, 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 gros coup de cœur. Voilà. Donc, bah écoutez, là, je vais vous laisser. Moi, du coup, voilà. Là, je vais vous laisser pour ce soir. Je ferai le montage de la vidéo demain. Du coup, vu que je suis en congé, je ferai ça demain matin. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain.